Moi j'habite juste ici, rue du Repos, j'ai entendu deux coups de feu. Ouais, donc qu'est-ce que vous entendez, vous avez fait ? Ouais, deux gros coups de feu. Et voilà, et deux gros coups de feu et un homme qui crie. Donc voilà ce qui s'est passé. Ce que j'ai entendu quoi. Ouais, donc moi j'étais là. J'étais, au parc, quand t'es. On était assis. Posé au stade. Tac, j'entendais des coups de feu. C'était même pas des coups de feu, moi je croyais que c'était des pétards moi de base. Des pétards et tout. Je croyais que c'était les gamins et tout, t'as eu au secteur, t'as eu les gamins, ils aiment bien faire des pétards, Halloween et tout. On n'a pas trop calculé. Voilà, je vois les babies et tout. Je vois des motards, la NAS, la BAC. C'est là que t'as compris. C'est là, j'ai compris. Ils se jouaient bizarre un peu. Hein. Ouais. Vas-y, me rapproche et tout. Vas-y, je me renseigne samedi. Là, il y a une église là. Ça m'a dit, c'est un prêtre de 45 ans, il s'est fait abattre. Voilà, moi j'habite juste là à côté, je regardais la télé tranquillement et j'ai entendu, je croyais en fait c'était comme des mortiers, des gros booms. Après je me suis dit, comme ça Halloween, comme d'habitude les enfants ils aiment bien jouer, faire un peu de bruit et tout. Et après j'ai entendu quelqu'un crier et c'est là que j'ai dit, il se passe quelque chose, je suis descendu. Et quand je suis descendu, c'est là que j'ai vu la municipale et tout. Et voilà, et j'ai vite compris, malheureusement, c'est jusqu'à Lyon où ça va aller, on se demande. Voilà.